qu'est-ce qui t'amène à faire du domicile? Plein de choses. J'avais marre de ne pas pouvoir faire mon travail normalement et simplement, parce qu'on n'a pas le matos, pas le budget. Puis un peu de considération aussi, de la part de mes supérieurs et des patients. Avoir du temps pour moi, ne plus être appelé sur mes jours de repos parce qu'on manque de personnel et qu'on en manquera toujours. Et puis j'avais pas envie d'être cet infirmier aigri qui a fait toute sa carrière dans le même service et qui a jamais osé changer. Alors j'ai démissionné. Ouais. Bah, bienvenue. Merci. Alors moi je travaille avec Romain qui est aussi mon compagnon. C'est très familial chez nous. Et les patients ils adorent ça. Même si il va te falloir un petit moment quand même pour être complètement accepté et que tu fasses partie de leur famille. Le matin, on commence à 6h45 jusqu'à midi. Et le soir, on repart vers 16h jusqu'à 19h30 si tout se passe bien. Voilà. C'est bon pour toi? Allez, c'est bon. Allez, on y va. Donc là, on est chez Michel, un patient sympa, mais relou. Ok, mais pourquoi relou? Ben, relou parce qu'il est tout le temps en train de regarder sa montre et tout le temps pressé, ce patient. Il a peut-être un rendez-vous? Non. Bonjour! Bonjour! Bonjour Michel! Bonjour! Jean-Michel. Donc là, on arrive chez Ronan, c'est un patient schizophrène. Je ne sais pas si tu as l'habitude. Pas trop. Bon, il est plutôt bien cadré, Ronan. Par contre, il faut être hyper vigilant. Il n'a pas les mêmes limites que nous. Quelque chose d'anodin pour toi peut être vraiment une agression pour lui. Donc, il faut faire très, très attention. Très important aussi, ce que je t'ai pas parlé tout à l'heure, le trousseau de clés. On a toutes les clés des patients. Il y en a certains qui ne peuvent pas se déplacer. Donc si tu ne les as pas, tu ne peux pas rentrer. Ok. Voilà. On y va? Allez. Bonjour. Salut Yvan. Bonjour. Guillaume, je te présente Yvan, le frère de Ronan. Une personne très importante pour nous. Il habite juste à côté et il peut être là en cas de problème. Rentrez. Ok. Salut Ronan! Bonjour. Comment ça va? Ça va. T'as bien dormi? Ça va. Alors aujourd'hui, je suis venue avec Guillaume. C'est un infirmier libéral et il va travailler avec Romain et moi. Ça va. Allez, je vais te donner tes médicaments. T'as rien à me dire? Non. Ouais, tiens, je te laisse ça là. Donc on restera là le temps qu'il prenne ses médicaments. Ok. Et puis comme il est occupé, on va le laisser tranquille. Hein, Ronan? À demain? Passe une bonne journée? Allez. Au revoir. Merci, Yvan. Allez, bonne journée. À demain. C'est bien que tu sois resté en retrait. Ils vont pas te faire confiance tout de suite, en fait. Tu vas rentrer chez eux, dans leur intimité. Il faut y aller petit à petit. Okay. Mais ne t'inquiète pas. Tu rentreras dans leur famille et ils te feront confiance comme ils font confiance à Romain et moi. Ça marche. Voilà, c'est très bien. Là, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. On va chez Louis, c'est un peu notre patient mascotte. Même si c'est pas vraiment lui notre patient, c'est Jeanne, sa femme. Elle est alitée depuis des années. Tout à l'heure, tu sais, je te parlais du familial. Ouais. On est en plein dedans. Ok. Allez. Bonjour. Bonjour.
Bonjour Louis. Ah, bonjour. Je vous présente Guillaume. Bonjour, c'est Guillaume. Eh bien, entrez, entrez. Je vous laisse faire connaissance et je vais m'occuper de Jeanne. Alors Guillaume, parle-moi un peu de toi. Eh bien, ça fait 4 ans que je suis infirmier. Avant, je travaillais au bloc opératoire. Oula, 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 bloc opératoire, mais il n'y a pas d'opération ici. Non, mais vous inquiétez pas, Louis. Ça fait longtemps que Romain et Marie s'occupent de Jeanne? Ah oui, ça fait déjà quelques années. Elle a été atteinte d'un Alzheimer avec une dégénérescence rapide. On était un couple d'instituteurs, on était très soudés, on a fait toute notre carrière ensemble et on s'est pas entretués. C'était une femme, une belle femme, coquette, elle était très agréable. C'est terrible, cette dégénérescence, et puis c'est venu très rapidement. Je me surprends des fois face à un magasin à regarder une belle robe, et puis je pense à elle, et puis voilà, c'est terrible, terrible. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est elle est en haut. Rien que d'y penser. Est-ce que Guillaume a eu droit au meilleur café de la ville? Oui, ah bah ça c'est pas réservé. Ah. Louis, c'est quelqu'un d'attachant, tu verras. Tu apprendras à le connaître. Enfin, si tu embarques avec nous. Ben, c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Ça fait un gros changement professionnel. Mais ça me plaît. Il n'y a plus la barrière de la blouse et je crois que j'avais besoin de ça. Et donc? Ben, et donc c'est bon. Super. Bonjour. Bonjour, vous êtes en retard. Salut Ronan. C'est Guillaume, c'est l'infirmier. Ça va? Je vais te donner tes médicaments. Bon, je vais te laisser tranquille, je crois. Bon, je repasse demain. Allez, passez une bonne journée, Valence. Alors ça, c'était quand on était à la Suisse miniature du côté de Lugano. Attendez, c'est qui ça? Bah, ça, c'est moi. Non, Louis. Bah, enfin. Non, c'est pas vous. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie... Merci, bonne journée. Arnaud, ça va? Ah, j'imagine que tu veux dégrainer les masques? Ouais, t'as du matos? C'est tendu là, non? Non, j'ai plus rien là. Je t'ai mis deux boîtes de gants de côté, mais j'ai pas de masque. Hein. Attends, mais je fais comment moi pour bosser sans masque? Et nous, on fait comment? On n'a pas de masque, hein? Tu crois quoi? On est dans le même bateau. Hein? Dès que j'ai des masques, je t'appelle. Tes gants, et je t'appelle. T'es sûr, hein, je m'appelle? Oui! Va bosser! Voilà.
masque. Alors, bon, ça c'est rose. Ça ira jamais. Mais non, ok. Des conneries. Mais c'est bien ça. Bonjour. Vous êtes en retard. Ah, bon, d'accord. Salut Romain. Tu viens ? Ça va ? Ah non, mais ça c'est un masque. T'inquiète pas, après je vais avoir des vrais masques. C'est juste en attendant. Bon, je vais te donner tes traitements. Tiens. Ça va? Chelou ça, hein? Bon, je vais te laisser. On se voit demain, hein. Allez. Passe une bonne journée. Moi, c'est terminé. Je vais me mettre au drive. Il est hors de question que je mette les pieds dans une grande surface. C'est la folie. T'entends, tu vois à la télé tout ce qui se passe? Non, hors de question. Ils sont tous angoissés, ça va se bousculer, ils vont être agressifs. Et toi, tu vas être de moins en moins disponible. Parce que là, entre les patients qui voudraient que tu passes chez eux, ceux qui veulent venir au domicile, puis maintenant, c'est tout sur rendez-vous. Non, hors de question. Non, non, moi, je suis trop stressée. Attends, deux minutes. Oui. Cabinet du docteur Michel, j'écoute. C'est qui? C'est Guillaume. Oui, ça va, et toi? Ah non, on n'a rien du tout. Non, vraiment rien, je suis désolée, Guillaume. On a juste un patient qui travaille pour la police scientifique, il nous a dépanné d'un petit peu de matériel, mais à part ça, ouais, c'est tout ce qu'on a pu avoir. Je suis désolée, Guillaume. Allez, bon courage. À bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait ? Ben, savoir si on avait du matériel, il n'arrive pas à trouver ni masque ni gants. Méthode. Bon, il y a Madame Nicole qui attend. Ah oui. Je la fais rentrer ? Fais-la rentrer. Vas-y, vas-y. Équipe-toi. Madame Nicole! Je suis désolée, Guillaume, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Hein. Je sais pas ce que t'imagines, mais... J'aurais besoin d'une signature, s'il vous plaît. Merci. Attends, vous êtes combien à bosser ici? Tu peux me dépanner d'une boîte. Mais je ne peux pas, c'est pas mes stocks, ce sont les stocks d'État. J'ai 50 personnes qui travaillent ici. Il faut que je les protège aussi. Christine... Je peux pas, Guillaume. On se fait tout voler. Par les soignants, par les patients, par les familles de patients, dans les chambres des patients. Alors tu sais quoi, ça fait 6 mois que tu travailles en ville. Retourne en ville, va voir ta pharmacie, moi je peux pas. Attends, mais je te demande pas de me sortir 15 boîtes. Juste, tu me dépannes d'une, juste pour moi. Putain, tu fais chier, Guillaume. Vraiment, tu fais chier. Tiens. Allez. Ah ben merci, avec ça je vais au moins tenir 5 jours. T'es pas content? C'est quoi, je la reprends? Non, 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 c'est bon, Christine, c'est bon, je suis content. Merci Christine. C'est bon. Ouais Nasser, ça va?
Ça va et toi? T'as eu des infos un peu? C'est le flou total ici, on nous dit rien, on sait rien. Ça se passe comment pour toi en réa? Ben apparemment on est un poil moins touché que les autres régions. Ouais mais bon, ils ont ouvert une deuxième réanimation pour les patients Covid. Ouais voilà. Et pour la famille, les enfants, tu leur fais prendre un risque? Ben chez les enfants, il y a très peu de contamination en fait. Il y a très peu de risques. C'est plus de la comorbidité, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il n'y a pas de cas grave. Ouais, ouais, voilà quoi. Bon, après, il faut que tu prennes un max de précautions. Hein. Faut faire attention quand même. Hein. Et nous, on nous dit les choses au compte-goutte. Hein. On n'a pas plus d'infos que ça au boulot. Hein. On s'adapte. Ok. Bon, ben fais attention. Allez, à bientôt. C'est quoi ça? Ça c'est un masque, Louis. J'ai pas le choix. On va réduire nos passages. Vous faites partie des personnes à protéger et on veut vous faire prendre un minimum de risques. C'est ce que nous conseille actuellement l'OMS. Bon, ça veut dire que vous allez plus venir? Si, bien sûr. Jeanne a besoin de nous. Mais les cafés, le bavardage, tout ça, c'est fini. Ouais, Romain. Ouais, allô Guillaume, ouais. Dis-moi, il se passe quelque chose là? Il y avait Ronan là? Non, c'est vrai que le courant passe pas très bien entre nous deux, mais j'ai rien vu d'anormal là. Ouais, parce que là c'est la folie, il est en train de décompenser. J'arrête pas de recevoir des appels, des SMS. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le SAMU, il y a le médecin qui devrait passer avec la police, et j'ai appelé son frère aussi. Voilà, et donc je pense que ça serait bien que tu y passes aussi, toi. Voilà, pour essayer de le calmer. Ok, ben ça va, ben, je vais passer, je vais essayer de faire quelque chose. C'est Guillaume, c'est l'infirmier. Il y a le médecin qui arrive là. Ce serait bien qu'on parle un peu tous les deux. T'es là? Passé là, il est parti vraiment loin. C'est rare que ça se passe comme ça. Là, il a complètement décompensé. Et franchement, je savais plus quoi faire. C'était vraiment. Ouais, t'inquiète pas. Ils vont l'emmener aux urgences psychiatriques là. Et il va être cadré. Ça va être bon. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je peux vous voir 2 minutes, s'il vous plaît? Je te laisse. Je vais discuter avec la police. Ok, ça va. Je préviens Romain et Marie. Ok. Ouais, Romain. Bon, ça s'est mal passé, ils sont venus le chercher, ils l'ont emmené aux urgences psy. Au Cap 48, il s'est échappé là.
Putain, mais Romain, mais comment on fait pour s'échapper du Cap 48? Ah ouais, bah tu sais, c'est compliqué en ce moment pour tout le monde, hein. Ok, tiens-moi au courant. Attends, allô. Ouais, gros souci là, gros souci avec Jeanne, je vais la faire hospitaliser, j'ai pas le choix. Ok, allez. Ok, je passerai voir Louis. Bonjour. Il me faudrait juste une signature ici et ici. Bonjour. Bonjour. Bon, on gêne dehors. Bon, on vous appelle dès qu'elle sera prise en charge. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Louis. Alors, son état s'est dégradé très rapidement. Et les médecins m'ont dit qu'elle ne reviendrait sûrement pas. Non, mais cette hospitalisation peut lui faire du bien. Il faut pas perdre espoir, Louis. Oui. C'est que... c'est ma raison de vivre. Donc, si elle revient pas, ça va être terrible. Non, mais Louis, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, vous aussi. Vous avez encore plein de choses à vivre. C'est pas le moment. Ah, la solitude. Tu sais, quand t'as passé 40 ans de tes dernières années avec la même personne, hein, tu crois plus en rien. Bon, mais je pense que t'as du boulot. Allez, on se reverra. Bon, vous avez mon numéro, vous savez où me trouver ? Oui, oui. Yes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en retard. On va peut-être prendre un café, non? Salut Ivan. Salut. T'as eu des nouvelles pour ton frère? J'ai eu l'hôpital psychiatrique ce matin et il est en isolement, donc il n'est pas prêt de sortir pour le moment. Ok. Bon ben, quand t'as des nouvelles, tu nous tiens au courant? D'accord. Allez. Au revoir. Allô? Oui, bah écoutez, le mieux c'est que vous m'envoyez votre adresse et comme ça je passe et on en discute. Allez, à tout de suite. L'infirmière ? Je suis l'infirmière, ouais. Rentrez. Allez, installez-vous. Merci. Essayez-vous, vous en tenez votre café. Merci. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il est atteint par cette maladie. Enfin... Alzheimer. Mais ces derniers mois, la dégradation a été fulgurante. D'accord. Quand je m'occupais de lui... Mais maintenant, j'arrive plus.
C'est devenu trop lourd, il est opposant. Et moi, je suis très fatiguée. Bien sûr. On a l'habitude de ce genre de prise en charge et on va y aller petit à petit pour que chacun prenne ses repères, ses marques. Mm-hmm. Mais bon, maintenant vous savez qu'on est là et que vous pouvez compter sur nous. Mm-hmm. Oui. J'ai vraiment l'impression de l'abandonner. Non, faut pas. Faut pas justement, au contraire. Maintenant on est là et on va s'occuper de vous tous les deux parce que vous aussi vous avez besoin d'aide. Et c'est tout le contraire. Juste, vous m'avez pas dit son prénom. Louis. Le moment que je préfère, c'est quand tout s'arrête. Que je ne pense plus à rien. Que la souffrance des autres, peu importe sa forme, s'évapore. Elle est retenue par un fil imaginaire à mon trousseau de clés. Nous sommes souvent leur seul contact avec le monde extérieur. Un confident, auprès duquel ils se libèrent de tout leur poids. S'il nous épanouit chaque jour un peu plus, ce quotidien nous éprouve par sa dureté, ordinaire et silencieuse. Un combat sans fin qu'il faudra recommencer demain matin.